Je suis de retour, la princesse en fête. 1, 2, 3, action. L'entrée de la peste. C'est parti. Il m'a trop attaqué. Mais regarde, on peut pas juger une personne parce qu'elle t'attaque. Ça, faut rester professionnel. Je suis professionnel. Tu n'es pas professionnel. Ça touche à ma sensibilité. Bah, clap. On a du nouveau. On a investi. Il y a du budget. Il y a un nouveau chien. Quel rapport, Lola? Après, c'est un compliment. Oh, c'est un compliment. Tu parles à qui? C'est très bizarre, cette histoire. Elle a pas dit compliment, elle a dit complément. Ça te mentir, voilà. Complément alimentaire, c'est ça? Complément alimentaire. Merci pour le complément. Je commence à faire chercher du buzz. S'arrête pour le complément. Alia, aujourd'hui, tu sais c'est quoi? C'est quoi aujourd'hui? On est quoi aujourd'hui? Voilà, déjà moins un. Voilà. Bah non, le dîner elle a pas commencé. Prendre soin. Les embrouilles. Je t'ai même pas accueilli. On a même pas encore fait l'intro. C'est comme ça qu'il accueille ses invités. Bref. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le retour des dîners algériens presque parfaits. Et aujourd'hui, c'est le H qui va cuisiner. Est-ce que tu te sens prêt? Il sait pas cuisiner. Déjà, il a -1. Déjà, il a -1 et c'est pas genre j'arrive chez mes parents. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je vois. Est-ce qu'on a le droit de te filmer ou pas? Bah, non. C'est un beau gosse. Et je vois un beau gosse, comme dirait Yannick, à côté. Je dis, mais il fait quoi ici? Il fait quoi ici, Mathéo? Il m'a dit, il va m'aider à cuisiner, donc je ne sais pas s'il a le droit. Tu sais cuisiner, toi? Non, mais ça sera une aide parce que ça a pris trop de temps. J'ai besoin de finaliser les détails. Non, moi, c'est pas maman, c'est de la triche, c'est une pro. Non. Moi, je dis, Mathéo, il est Libra like me balance, c'est-à-dire qu'il sait tout faire. Donc, une notion excessive astrologique, vas-y. Il sait tout faire. Et déjà 19h, on va commencer à cuisiner. Donc là, les amis, on n'a pas changé de. Oh, t'as déjà tout préparé? Alors, je suis choquée. J'ai décidé de partir sur du mexicain. C'est pour ça que j'ai envie de. Quoi? Quoi? Ça s'appelle un dîner algérien presque. Bah non, t'as dit c'est pas algérien. T'as dit c'est tout ce qu'on veut. Non mais. Bah si. J'ai posé la question il y a 3 jours. J'ai dit est-ce qu'on a le droit à tout. Elle m'a dit c'est juste normal, fais ce que tu veux. Ça s'appelle un dîner algérien, bah non, pas mexicain. C'est ce que j'ai dit, mon fils. Merci Aulia. Non mais attends, il sort pas la main. Bah, j'ai des messages. C'est ce que je lui ai dit il y a 5 jours. Je lui ai dit est-ce que c'est toujours algérien. Elle m'a dit non. Attends, pause. Tu m'as ramené mes affaires? Oui. Ok. Vas-y. Elle m'a dit c'est pas forcément algérien. Je dis bah ok. Bah déjà pourquoi mexicain? T'es mexicain toi? Non mais je voulais. Il est vietnamien le pauvre. Je voulais faire un thème. Tu vois, tu mens toi. Toi tu veux me retirer des points toi? Bah oui. Les magouilles. Non, de toute façon, les magouilles. Toi t'es rayé de la liste. La va, je demande la va. Et on a dit un dîner algérien presque parfait. Mais j'ai des preuves. Algérien. J'ai des preuves. C'est bon. Hein, tu vas pas filmer toute notre famille aussi là. Bon Yannick, on va te laisser la non, caméra. Non mais attends, y a pas tu que je retire des points parce que c'est pas algérien. T'inquiète, on verra ça après dans les notes. T'inquiète, on va pas te retirer de points. Aulia, je te jure. T'as maigri mon gars. Merci beaucoup. Oui. J'ai sympa. C'est bon après, vas-y. Elle a dit, je lui ai dit algérien ou pas. Elle a dit non. Pourquoi je mettrais mexicain si c'est algérien? Je suis pas con. Retrouver Yannick dans la cuisine. Là, on se retrouve après pour déguster et pour mettre les notes. C'est algérien presque parfait. Et c'est un dîner algérien presque parfait. Aujourd'hui, je voulais partir sur une base mexicaine. On va faire un petit guacamole parce que je sais que Nina est fan de guacamole. Et nous? Bah, t'as bien le guacamole. Parce que Maïssa, elle m'a dit Herc, dégueulasse. Moi, j'ai visé j'ai visé Nina. Oh, il pense tout le temps à sa sœur. Tout le temps, il pense à moi. Je suis rentré spécialement pour moi. Oh, ouais, c'est énorme. Je l'ai acheté à combien? 5 euros? Bon, même pas, je crois que c'était 1,11€. T'avais trouvé où l'argent? Mais maman m'a donné sa carte ticket resto, elle m'a dit tiens, va acheter, il y a 15€ dedans. Ça veut dire que je vais là-bas, je prends 15-16€, il y avait que 8,33€. Mais fallait me dire, je l'ai payé. Ça veut dire que je regarde la main, là, je regarde la main, j'ai payé, il n'y avait plus rien, il y avait écrit refusé, j'étais comme ça. J'ai décidé de faire une entrée guacamole. Ok. Assez sympa pour te faire plaisir. Et pour le plat principal, des burritos. Waouh! Ouais, ouais. Je vais essayer de faire ça avec tout ce qu'on a là. J'ai voulu me challenger. Je vais pas faire comme Maïssa, faire des frites. Et par rapport à l'année dernière, tu te sens confiant? Plus confiant? Je me sens confiant, ouais. Je l'ai attrapé, je rentre dans la cuisine et il dit à Mathéo, sors la recette. Et la recette, elle est là.
Non, mais attends, non, j'ai pas le droit de voir quoi prendre comme ingrédients et tout. J'ai préparé des trucs, certes, mais j'ai besoin de 2-3 détails pour finaliser. J'ai dit ça, les autres, elles se foutent de ma gueule parce que j'ai pas respecté la consigne algérienne, mais c'est pas algérien. Ça veut dire. C'est Nina qui m'a dit ça il y a 5 jours, et moi je voulais faire un truc à thème pour changer un petit peu. Parce que là, elles font que ça, des frites, des briques, c'est bon, on a compris. Moi je voulais faire un truc bien et me challenger un peu. Déjà, on va couper le guacamole en deux, retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur, faut bien le faire, tu vois. C'est la première fois que j'en fais un, ça veut dire. J'espère qu'elles seront sympas avec moi. On fait ça. Ensuite, pour bien faire un guacamole, vous prenez tout ce que vous avez, vous l'écrasez bien comme il faut, et on verra après pour la suite. Regardez cette beau gosse là. Attends que ça soit fini, chef. Bon, faut prendre du blanc de poulet. Ensuite, pour faire les burritos, faut préparer ça. Là, je vais le découper en petits morceaux. Je vais vous montrer comment ça va après. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que moi, je prends soin de mes invités. Nina, elle mange pas de bœuf. Un burrito, c'est toujours mieux avec du bœuf. Moi, j'ai voulu faire avec du poulet. J'ai voulu le revisiter à ma sauce. Oh, j'y ai pas pensé. Oh non, t'es trop mignon. J'ai voulu faire passer le truc à ma sauce, comme ça elle va se dire ok, il est original. Oh, je suis trop émue là. C'est vrai, je mange pas de viande rouge. Et il a pensé à ça, mais moi j'ai oublié, moi-même j'ai oublié. Et un burrito, ça se mange avec du bœuf. Waouh Yannick, mais quel homme. Regardez Mathéo, il fait quoi? C'est de la triche ça. Mais vas-y, il épluche un oignon, c'est secondaire, qui s'en fout ça? Et toi, tu fais quoi? Moi je coupe le poulet, le plus dur. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Là, je suis venue voir ce que Yannick nous manigançait. Dès que je suis rentrée, j'ai vu Mathéo en train de couper de l'ail. Et alors? Elle m'a dit faut que ce soit fini pour 20h. Elle a une heure de retard, c'est la faute à qui? Si je dois avoir de l'aide. C'est même pas de l'aide. Ouais, mais s'il était là, c'est qu'il était prévu depuis le début. Bah non, je lui ai dit, il est venu pour récupérer son décodeur que j'ai acheté à Oblé. C'est vrai, Mathéo? Ok, je le crois. Moi je crois Mathéo. Il y a une qui va rester. Tu vas juste sentir. Si tu veux de l'aide, t'as qu'à ramener Léa et tu feras des repas philippins. Ok, lui il a ramené Mathéo, il fait des plats viettes. Et moi j'ai ramené Léa, je vais faire des plats philippins. Ok, je retiens juste que tu as dit que j'ai le droit d'avoir de l'aide moi aussi. Non. Rendez-vous à mon épisode. Attends. Rendez-vous à mon épisode. Ok, ma fille. Comment ça en plus? Tu vas bien, mon amour? Non, elle est trop belle, mon amoureuse. On le laisse finir et on se retrouve directement au dîner. Ok les amis, nous avons Yannick qui est en train de préparer la table. On va aussi noter tout ça, hein. Prends en considération la table. C'est ce que je suis en train de faire en fait. Ok. Ça me va. Ça me va. J'étais petit, je levais la tête. C'est toi, elle était si loin. Quelques âmes, quelques trains. Et j'aurais voulu être l'artiste. Je te souhaite bien du courage. On met que deux couteaux, comme ça celui qui veut servir, il sert. On s'en met que deux couteaux. Bah attends, la vaisselle c'est ta mère, elle l'avait. Oui, c'est ma mère qui va la faire. Non, c'est moi, je vais tout faire. Ah ouais, oh t'es mignon. Ça compte dans le. Oh dans t'es coins. Mignon. On est tous à table. On est tous à table pour manger. Yannick, il a fait à manger. On a faim et on veut savoir ce que Mathéo a préparé. Dis-toi, tout ce qu'il y a là, c'est moi, je l'ai fait solo. Mathéo peut prouver. Ouais. Je leur ai dit un million de fois, venez vous mettre là-bas, vous voulez pas. La présentation. Mais ça, promets-moi. Mais... Deux trucs, mais consistants. Tu vois, Nina, elle va pas manger 5 pour des burritos. Bon, j'ai voulu partir sur un petit peu de mexicain avec un petit guacamole. Franchement, je l'ai goûté là-bas, il est fantastique. Et pourquoi ça fait guacamole? Bah parce que je sais que t'aimes bien le guacamole. Ouais, oh. Tout à l'heure quand je t'ai dit ouais, tu fais ce que tu veux parce que Nina l'aime bien et nous on n'aime pas. Bah ouais mais... Bah non, t'as dit non. De base c'était mon idée de faire un guacamole. Bah non, je savais t'as choisi des avocats parce que Nina l'aime bien. Mais tu veux que je te fasse quoi en blanc? Bah je sais pas, pense à moi Folia. Folia t'aimes pas? Moi j'aime tout. Faut goûter. Mais j'ai jamais dit que j'aimais pas, j'ai juste dit t'as fait Zahraman pour Nina, elle a une préférence à Mazie. Non parce que de base... Faut pas juger le livre avant... De base je voulais faire des burritos et je me suis dit il y a quoi comme entrée mexicaine. Et il y a le guacamole et c'est facile à faire, du coup je me suis dit je vais faire ça. Du coup là il y a que des entrées. Bah non, il y a une entrée et un burrito c'est une entrée toi. Bah un peu. Tokyo, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux manger? Moi je dis on va commencer à manger. On va commencer par l'entrée. On a Yannick, présente. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est le guacamole, tu vois, il y a tout dedans. Il y a tomate, oignon, avocat, coriandre. Ouais, coriandre. C'est Mathéo qui a fait ses sœurs. Mais vas-y toi. Mathéo, dis-leur que c'est pas toi. Mais je suis voilà. Jure la tête de ta mère. Mais parce que Halia depuis le début elle fait que... Ouais je le sens, calme-toi. C'est grand. Déjà la question c'est quoi gagner? Parce que si on a gagné, moi je cuisine pas. Donc, on cuisine pas gratuitement. Elles font ça pour l'argent. Oh je suis choquée.
Mais pas du tout, ça serait honteux. C'est une perte d'argent et une perte de temps. Moi j'ai fait ça. Quoi? Elle m'a dit fais-moi s'il te plaît. Non, voilà. Merci Yannick, mon bébé. Arrête de faire genre que tu caches tes trucs sous. Arrête. Comment ça, j'ai le truc? Arrête Yannick, on te connaît. À chaque fois, je suis quand quelqu'un a un bon cœur, on dit tu caches tes trucs. Ensuite, là, il y a des burritos avec du poulet mariné avec. Ils ont l'air beaux, hein, ils ont l'air beaux. Avec poivron vert et rouge. Ah oui, regardez, il a mis ça et tout pour pas qu'on salisse. Ouais, faut pas que ça salisse et pour pas que ça s'ouvre aussi. Waouh, Yannick. Ta gueule, toi, t'as fait deux briques en deux heures. J'avoue, rien, l'année dernière, t'as fait deux briques. Moi, au moins, ça va, tu vois. On a coupé deux briques par dix. Nous goûtons. Dommage, je vais pas, il est un peu refroidi quand il était chaud, il était parfait, mais oh là là. Donc ça se mange froid, non? Ouais. T'as vu ça? Alors, c'est bon? Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Good, 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 good. Ah ouais. Merci Mathéo pour ce délice! T'as jugé mes briques sur l'année dernière? J'ai dit non, mais lui dis pas! Lui dis pas! Lui dis pas, elle va te donner la même note que tu lui as donné l'année dernière! Non, mais je jugé, j'ai dit que c'était mal, mais que c'était insuffisant! Désolé. Non, j'aime bien! C'est excellent en fait! T'as vu ça? Je trouve que c'est ça! 10 sur 10! Excellent day! J'ai mis la bonne dose de sel, c'est ça qu'on voit. Oui, merci Mathéo! Le sel il est parfait! Le H, t'as percé dans la musique ou dans la cuisine? Je vais faire une nouvelle stop! Je vais dire à Mathéo, on va créer une chaîne musique et bouffe en même temps. On va s'inspirer. Sympa! Ça va! Franchement! Ça, c'est très très bon! Franchement! Bravo Yannick! Le H, toujours! Oh, d'ailleurs, je vais en. Le H, qu'est-ce qu'il m'a dit? Gans! J'aime bien, mais. Pas plus de 7. Voilà. Quoi? On va pas donner les notes là. Moi, personnellement, j'aime trop. De base, du guacamole, j'aime pas, mais là, j'adore. Franchement, je te félicite, Yannick. Bravo, je suis fière de toi. Ah ouais, le H. Moi, j'aime beaucoup. J'adore le guacamole. Moi, merci beaucoup, pour cette petite attention. Parce que c'est ça que j'aime bien avec mon frère, c'est qu'il a des petites attentions. Il se rappelle de tout ce que j'aime, de tout ce que j'aime pas. Donc, juste pour ça, Yannick, merci. Et c'est super bon. J'adore. Moi j'aime bien, mais je sais pas, il y a un petit côté qui me dit que c'est pas toi qui as fait. Je sais pas pourquoi. La tête ça... de ma mère. Mathéo. Attends Yannick. Mathéo. Je sens une petite jalousie. J'ai l'impression que t'es un peu jalouse. Parce que l'année dernière je t'ai aidé quand même à faire ta brique. Quand même, Huria, moi je me dis. Une encore de partager. On a tous une chance dans une vie. Je me dis que peut-être Yannick, t'as changé, tu commences à faire à manger et tout. Franchement, moi, je te félicite. Bravo Yannick. Bah, de toute façon, c'est bon. Et bref, moi je veux bien savoir, il y a quoi à gagner. Ah ouais. Elle veut savoir ce qu'il y a à gagner. Je sais pas, vous voulez quoi? Bah là, je viens d'offrir une paire à Yannick. Je viens d'offrir une paire de chaussures. Ça, c'était pour mon anniversaire. Ah ouais, c'est vrai. Tu veux quoi si tu gagnes? Je sais pas, du cash. Du cash? Nina, toi, tu veux quoi si tu gagnes? Vas-y, les 60. L'année dernière, c'est moi j'ai gagné, on m'a rien donné. Hein. On est parti à Dubaï. Non, moi j'ai gagné. Si je gagne cette année, vous êtes mes esclaves pendant une journée. Non. Moi je dis. Ça fait un an depuis l'année dernière qu'elle s'entraîne. Genre là, pendant le ramadan, tous les soirs, elle était dans la cuisine et tout. Pas du tout, je m'entraînais pas pour ça. Bref. Moi je veux. Voilà si je gagne, hein. Je veux 1000 euros cash. Oui, t'aurais dit 100, bête, pourquoi pas? T'aurais dit 200, bête, mais 1000, t'es malade. Bon bah, goûtam. Qui a ouvert ma fonte à fraises? Non, la tienne est là-bas. Ça, c'est la mienne, je voulais faire. Hein. Oh, et le seul truc algérien dans cette table, c'est fonte à fraises. De où? Bon bah, je donnerai un point pour la fonte à fraises. Bravo Yannick! Dîner algérien presque parfait. Oui, y'a rien d'algérien. Rien d'algérien, frère. On est parti au Mexique. Hey, les gars, et son pote qui l'aide, il est vietnamien, genre rien à voir. Hop. Mathéo, tu veux pas goûter le petit burrito? Vas-y, Mathéo, mange un peu. Allez! Mathéo, c'est bizarre, tout à l'heure, il veut rien manger. Imagine, il a mis du poison. Et genre, en vrai, il a mis du poison, il va rien goûter le C'est bizarre, on est d'accord là. On goûte le tacos version Mexique. C'est un burritos. C'est bizarre, hein. Moi j'aime pas trop. Mais ça c'est comment t'aimes bien? Moi je mange encore les guacamole. Moi j'aime pas trop. En fait j'ai déjà mangé ça quelque part mais il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il manque une sauce déjà. C'est chez toi que je mange ça là? Ouais. Ah bah voilà. Sans moi les gars. T'aimes bien? Wesh Tokyo. Non mais je me rappelle plus. T'aimes bien épicé? T'aimes bien épicé? Bah mexicain c'est épicé. C'est exactement ça. Moi j'aime bien mais j'aurai pas une bonne note. Déjà il manque du sel. Mais quand la seule critique c'est il manque du sel,
Bah, je suis désolée, mais on ressort les gars. Bah, c'est ça pour moi. Vas-y, sur les gars. Il manque un peu de sel, il y a pas trop d'épices. Mais moi, je travaille pas. Je t'ai pas noté. Ouais, ouais, ouais. Il y a pas que ça. Bah, déjà, la pâte là. Elle est bizarre, elle est zarbie un peu. Elle va demander ça au Intermarché à côté. Ah, ça veut dire que tu n'as pas fait la pâte. Mais je veux dire, tu l'as acheté. Je vais pas dire ça, tu l'as acheté la pâte. Ah, les gars, attendez, si je fais la pâte, je dois rester encore 4 heures. Voilà le burritos. Ça, c'est un burritos, ça. J'ai mis l'ivis. Y'a pas d'oignons. Partout sur le poulet, y'a pas des oignons. Y'a pas de verre. On va boire comment, Fanta Fraise? Y'a pas de verre. Je vais t'en ramener, pas la peine de. Moi, je dis dîner presque parfait là. Bah, j'ai rien. Il est bizarre. J'ai essayé de préparer un bon truc. C'est et pas, je vais gagner. Arrête de dire Algérien. Tu vas gagner cette année, Léa? Moi je pense que oui. Ah ouais? Je pense pas, Léa. Parce que tout ce que j'ai dans ma tête là. Une nouvelle compétition, tu vois. Si tu me joues sur une pincée de sel, moi je ferai attention à tous les détails. Hein. Le pain il est coupé. Ce reste des menaces. C'est dégueulasse. Mais ce reste des menaces. Attends, c'est pas une menace. J'ai juste fait attention. Il te prévient. Attends, mais pas que. Ouais, déjà tes frites là, elles c'est sont pas des frites. C'est pas des frites. C'est fait comme ça. Des frites, frère. Eh, c'est long. Mais c'est fait exprès, c'est un burritos. Le seul truc algérien de cette vidéo, Fanta Fraise. Mais arrête de dire algérien, c'est pas algérien cette année. Cette année, c'est normal. C'est algérien. Voilà, elle a fait exprès pour que tu perdes des points à la tête de ma mère. Quoi? Moi aussi, je te crois. Mais Alia, j'aurais pas. Vous croyez? Trop de jalousie, hein. Eh, Alia. Eh, voilà, parce que l'année dernière, elle s'est fait gagner toute seule. Déjà. Bah non, c'est moi j'ai gagné. Bah non, c'était pas toi. J'ai. Bah non, c'est moi. C'est elle. Elle s'est fait gagner toute seule. En plus, tu l'as aidée à gagner. Ouais. Non. Cette année, j'ai personne. Je te soutiens. T'as un garçon. Mathéo. Waouh, sexisme. Ouais, attends, sexisme, c'est, ça veut rien dire. Si, si, attends, sexisme. Reviens, Bassi. Tu me manques. Bassi, elle lui a donné des 10. Je vois qu'on a tous fini de manger. Et on se retrouve dans le confessionnal. Yannick, il est en train de menacer Meïssa et Auréa, je suis choquée. Non, dans le sas. Dites pas des dingueries, parce que moi je vois les vidéos. Enfin, dites des dingueries en vrai, mais juste, m'attaquez pas personnellement. Vas-y, va jusqu'au bout là. Regarde, l'année dernière, elle m'a attaqué personnellement. Elle a dit en plus, lui, qu'est-ce qu'il veut. Ça, c'est pas la cuisine, ça. Yannick, je pense. T'ouvres un peu trop ta bouche parce que t'as fait pareil avec moi. Mais moi, j'ai pas insulté les gens, moi j'ai pas insulté ta cuisine. Yannick, depuis toi, je suis de ton côté, mais va pas loin. Mais la tête de ma mère, Meïssa, aujourd'hui. Tu as jugé aujourd'hui, Takio. T'as cru que je suis con pour faire un mexicain alors que ça a duré un jour. Allez, là, Takio. Là, Takio. Ah, là, Takio. On a du nouveau. On a investi. Il y a du budget. Il y a un nouveau chien. Ah, mais... Ah, wesh. Ah, c'est fait. Wesh. Elle m'a dit qu'on va te noter. Tu vas voir ta note. Mais pourquoi tu rigoles pas, en fait? Je sens... C'est bizarre, un peu. Quoi, elle me dit burrito, je sais pas quoi. L'autre elle me dit. Moi j'ai rien dit, ouais. Non, pas toi. Voilà, voilà, l'autre, c'est l'autre elle me dit c'est moyen, mais elle en a mangé 4. Oui, j'ai mangé, voilà, j'ai faim depuis 18 heures, j'attends. Voilà. Ah, quand on aime. Quand t'as p. Elle avait faim, mais elle a dit qu'elle a mangé 4. Arrête de parler d'elle dans la vidéo, en fait, c'est grave, et tu fous. Oh, Léa, c'est embrouillé avec. Non, rien. Ah, les gens, ça arrive, des bagarres. Si vous voulez, je prends une caméra, je parle de tous vos copains, copines. Non, t'as rien à dire, hein, franchement. C'est moi, bien, j'ai essayé, j'ai essayé. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'ai pour créer des bruits, j'ai peur. On est là pour voter. Moi, je vais voir les vidéos, hein. Je suis très attentif aux vidéos. Alia, l'année dernière, elle m'a insulté ma personne et pas ma bouffe. Alors. Et restez pas devant la porte en mode. Taisez-vous. Taisez-vous. Sous-merde. Coucou les gens. Alors, je suis de retour, la princesse en fête. Là, on va noter Yannick, alias le H. Il va nous péter une crise parce qu'on a appelé Yannick. Déjà, il a fait du guacamole, truc avocat et tout, bref, la sauce là. Il a fait des burritos. Il faut savoir, moi, je suis une personne qui aime pas du tout le guacamole là, parce que à chaque fois, Noreen, elle nous faisait chez elle et tout, genre, vas-y, je mangeais, mais en mode sans plus, sur ce que j'aimais pas. Et du coup, bah, il nous a fait ça. Franchement, moi, j'ai grave kiffé. Le guacamole, il était trop, trop bon. Genre, vraiment, j'ai trop kiffé. Juste pour le guacamole, je donnerais un 10, parce que il mérite pour le guacamole. Il est vraiment genre trop trop bon, y a rien à dire. Ensuite, pour les burritos, je suis une fille qui aime pas les tortillas. Genre, je déteste. Sauf que là, j'ai fait l'effort de manger parce que c'est mon frère. Du coup, j'ai mangé, j'ai goûté. Sauf qu'il manque d'épices. Il manque du poivre noir, du sel et tout. Mais en mode, c'était bon, genre en mode le poulet était bien mariné et tout. Je donnerais un 6. Un 6 pour les burritos parce que j'aime pas trop, genre en mode. J'ai pas trop aimé. Yannick, en tout cas, si tu vois cette vidéo, je le prends pas mal parce que j'ai donné un 6 parce que je suis une personne qui aime pas les burritos. Niveau entrée, j'aime trop. En mode, il a posé ce qu'il fallait poser. Des verres, des canettes, de la boisson.
En fait, il était attentif, il écoutait nos critiques, tout ce qui allait pas. Du coup, bah, il a fait un peu le susceptible, mais c'est pas grave, c'est Yannick, vous le connaissez, le H. Du coup, bah, pour une note totale, je donnerais un... Franchement, un 8. Hein. Il mérite un 8, parce que, franchement, c'est trop bon, genre, c'était pas dégueulasse. Et en plus de ça, c'est plus le guacamole qui m'a plu, genre, j'ai trop aimé. Du coup, bah, c'est un peu ça qui t'a sauvé, Yannick, parce que sinon, je t'aurais donné un 6. Mais en tout cas, tu mérites un 8. Du coup, bravo. Je suis fière de toi. Et tiens-toi prêt pour les... Parce que tu vas te faire critiquer de partout. Bisous, mec. Est-ce que vous pouvez faire... Nina, si tu vois cette vidéo, est-ce que je peux faire un montage genre comme ça? Au ralenti avec de l'argent qui tombe. Bref, bon. Alors, pour commencer... Je vais juger Yannick déjà pour commencer. En fait, déjà, l'ambiance, elle est, vas-y, pas ouf. On demande un dîner algérien presque parfait. Il nous fait un dîner mexicain. Il est même pas parti voir à côté. Il est même pas parti voir la Tunisie, aller le Maroc. Non. Il est parti au Mexique pour le guacamole, là. Je donne une note de... Allez, je suis gentille. 8, c'est bon. Clairement, c'est bon. J'ai mangé 3. Là, j'en ai rajouté une. Nanana. Je mets un 8 parce que c'est bon. Le tacos là qu'il a fait, on sait pas si c'est un tacos ou un Doritos, je sais pas ce qu'il a dit. Ok, j'assume, j'ai mangé 2. Mais ça c'est parce que j'ai faim. Et en plus de ça, normalement tu dois faire attention à ce que tu dis quand c'est toi qui prépare le truc. Lui non, il me rappelle tout ce que j'ai fait l'année dernière. Là j'attaque pas la personne. Hein. Du coup bah, tu vois, ça m'a mis mal à l'aise. Normalement quand t'invites quelqu'un à manger, tu lui reproches pas des trucs. Lui, il m'a reproché des trucs. Donc déjà, ça, c'est moins 1. De 2, moi, je soupçonne d'avoir triché. Donc c'est moins 2. En plus de ça, là, il était bien, mais il manquait des épices. Il était pas bien. Vu que je suis gentille, je vais donner une note de 7. Mais lui, je sais qu'il va faire le méchant. Du coup, je donne une note de 7. Voilà. Bah, il n'y avait pas de dessert. Normalement, quand je parle, là, je souffle. Donc, je donne une note de... 7. Voilà, juste parce que je suis gentille. En fait, t'as fait l'effort de faire du mexicain. Parce que moi, j'aurais pas osé faire du mexicain. T'as donné combien de temps? Je t'ai donné un 8. T'as donné un 8? Bah oui, oui. T'as kiffé? Bah oui. Moi, je trouvais ça bon. En fait, c'était carré, genre en mode. Ouais, c'est bon aussi. C'est juste pas. Ah, non, c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai envie de 2 points sur ça. Il m'a trop attaqué. T'aurais pu avoir un 8. Mais regarde, on peut pas juger une personne parce qu'elle t'attaque. Ça, faut rester professionnel. Je suis professionnelle. Tu n'es pas professionnelle. Ça touche à ma sensibilité. Là, quand on sort, tu dis, elle a été gentille parce que j'ai été gentille. Mais non, allez, je vais pas faire les boucles, t'as pas été gentille. Mais je suis gentille. On m'invite pour manger, on me critique. Bref, j'ai fini. Julien a fini. Ça va péter, moi aussi. Méfie-toi des apparences. Ok, à mon sûr. Bon les gars, attendez. Je me refais une petite beauté. Là depuis, mes yeux ils pleurent. Depuis tout à l'heure, je remets du liner. On est là pour noter le H. Là je suis avec mon téléphone parce que ma caméra n'a plus de batterie. Pour ces petits guacamoles là. Ce n'est pas dans le thème. Il dit que je lui ai dit non, c'était un... Non, je lui ai pas dit ça. Pour vous dire la vérité de ce qui s'est passé. Je lui ai dit ouais, on tourne un dîner à presque parfait. Il m'a dit je sais pas quoi faire. Je lui ai dit... Bah, trouve un plat algérien. Il m'a dit, non, je sais pas faire, donc je fais pas. Je lui ai dit, bah écoute, fais ce que tu veux. Donc il a décidé, moi quand j'ai dit fais ce que tu veux, c'est en mode, fais la bouffe que tu veux. Après, si t'es mal noté, c'est pas de ma faute. Donc, vu que j'ai aimé ces petits guacamoles et j'apprécie le geste, il l'a fait pour moi parce qu'il sait que j'aime bien et tout et tout. Mon frère est trop attentionné avec moi. Donc Yannick, vu que je t'aime et tout, je vais te donner un... 7, je te donne un 7 parce que. Oui, c'est qui? Parle doucement, s'il te plaît, on a tout entendu. J'ai entendu. J'espère que j'aurai un mec comme mon frère. Parle doucement, s'il te plaît, je te remercie. La honte, il a vu ma note. Pourquoi j'enlève des points? Parce que déjà, c'est pas dans le thème. Déjà, de une, pour commencer, il mérite un 2. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de sel et pas assez de piment. C'était pas assez romanté pour moi, même si j'aime pas le piment, mais. C'est mexicain, tu veux être dans le thème, sois dans le thème à fond, mon frère. Donc pour ces burritos, je vais lui donner un... Franchement, Yannick, je suis désolée. J'aurais pas pensé qu'un jour, j'aurais pu donner cette note. Moi, en personne, vu que comment je suis gentille et tout. Mais Yannick, I'm sorry, mais je te donne un 4. Je donne un 4, en plus, là, je donne un 4 pour le fond de teint.
Je me suis dit, ouais, j'ai vu le Fanta sur la table et tout, Fanta fraise. Il l'a ramené d'Algérie pour moi et tout. Je donne un 4 parce que franchement, c'était pas, il était pas bien rempli. Tu peux pas mériter la moyenne, t'es pas dans le thème. Des trucs qui n'étaient pas forcément excellents. Genre, tu veux ne pas être dans le thème, d'accord. Mais fais des trucs excellents. Voilà, Yannick, 4. M'en veux pas, s'il te plaît, si tu vois cette vidéo, sache que je t'aime. Tu resteras mon frère, malgré tout. Voilà, bisous. Bah, clap. J'espère qu'elle est pas assez bête pour avoir laissé le 4 comme ça. En... Parce que ça passe pas inaperçu, Nina. Faut être maligne dans la vie. Et je crois que tu l'es pas. Je suis fier de moi. J'ai fait un bon truc. Je trouve que... Après, depuis tout à l'heure, elle répète un dîner algérien. Mais on n'a jamais parlé de ça. Hein. C'était jamais dîner algérien. Elle m'a appelé. Elle m'a dit spécialement, fais ce que tu veux. C'est pas forcément algérien. Ça veut dire, bon, si je devais mettre une note au guacamole, franchement, je mets un petit 9. Parce que... Je trouve qu'il est incroyable. Et si je devais me donner une note pour le burrito, déjà j'en ai mangé 2, ça veut dire je me donne un 7. Après pour la note totale, ouais, un petit 9 pour la note totale. Quoi ? Un petit quoi ? Un petit quoi t'as dit ? Mais qu'est-ce qu'elle fait derrière la porte, vous avez vu ? J'ai dit pour la note totale, hein ? Non mais attends, 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 attends. Vas-y, vas-y, Nina, raconte. Mais en fait, tu sais ce que j'ai dit ? J'ai dit, regarde. Il s'est donné. Attendez, attendez, chut. Après, pour la note globale du plat, de la présentation, écoutez, de comment là, on a parlé, j'ai mis 9. Non, non, de tout. Mais RMDR, bah t'es oui. Hors thème. Allô, réveille-toi. T'es hors mais thème. Mais c'est ce que j'ai dit au début. J'ai on dit, elle va me juger. T'as le droit, t'as le droit. Il a le droit de se noter. Franchement, il a le droit de se noter. Mais pourquoi c'est déjà pour toi, elle rentre ? Il croit en sirène. On va voir les hypocrites dans cette vidéo. Bon, là, je vais aller retrouver les preuves. Allez, allez, vas-y. Attends. Non, je fais pas de pause, c'est bon, vous m'avez saoulé. C'est pas grave, Yannick, je t'ai acheté une paire, tu pourras la mettre demain, aller draguer des meufs dehors. Donc... Maman, Yannick, il va aller draguer des meufs. Maman, Yannick, il drague des meufs. Je vais mettre une note pour la paire. Maman, elle a dit, c'est bien, hein, Yannick. C'est bien, c'est pas bien. Un quoi pour la paire. Quoi ? Rends-la-moi. Je parle pas de la paire, parce que quand tu parles de la paire, tu parles de tout ce qu'il y a autour. De la personne qui te l'a offert. Et la paire, je mets 10. Mais la personne, je mets 2. Moins 2. Moins 2. Et pour la sympathie, moins 1. Quoi ? Mais je l'ai acheté. Je te l'ai acheté. Et bah là, tu m'as insulté. C'est une fin de vidéo. On se retrouve dans quelques jours. Je leur fais un truc, elle me dit c'est pas algérien. T'avoue, ouais, il est trop comme ça, il aime trop redire les trucs. Bref. Et parce que elle m'a jugé sur ça. On se retrouve dans quelques jours pour le dîner algérien parfait de Ouria, je crois. Non. Moi, tu finis pas en dernière. Chez toi après. Ouais. T'aimes trop finir en dernier, toi t'es bizarre. Hein. Ok, ça sera moi. Comme ça, elle a le temps pour préparer, pour okay, dire. Ok, le prochain c'est moi. Voilà. Et c'est le prochain c'est moi et je vais gagner. C'est quand ? Samedi en cuisine. Voilà. Allez. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos parce que c'est une vidéo par jour là. C'est pas dire reste parfait, Nina, moi je te dis, fais ce que tu veux, mais. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Voilà, bisous, au revoir, ciao. Almost made me fall in love. Yeah, you got me hypnotized under your spell. I know I go home with you tonight.